Now for David Graham. Mesdames, messieurs, merci d'être venus ce soir en si grand nombre. Je suis David Graham et je partage votre espoir. Ladies and gentlemen, thank you all for being here tonight. I am David Graham and I share your hope. Nous avons dans cette salle tout ce qu'il nous faut pour gagner l'élection de 2015 dans Laurentides-la-Belle. Parce que nous sommes des libéraux, nous avons de l'espoir et nous savons c'est quoi le travail acharné. Cela dit, gagner l'élection, ça ne suffit pas. Devenir député n'est pas le but, c'est que le début. Here tonight, I see the strength needed to win the next election, because we are liberals. We have the hope, and we know what hard work means. But becoming an MP is not on its own a worthwhile objective. It is only the first step on the path to making a real difference for our community. Nous sommes ici ce soir pour choisir la personne qui saura le mieux répondre aux besoins de notre population, une fois à Ottawa. Il faut des années d'engagement et de travail acharné dans le service public pour réussir dans cette fonction. Même si je n'ai que 33 ans, j'ai consacré les 14 ans de ma carrière au service de mes concitoyens. J'ai travaillé comme journaliste pendant plus de 8 ans et en même temps, j'ai présidé, fondé ou organisé des œuvres de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des projets communautaires. J'ai ensuite travaillé pour divers députés libéraux à Ottawa, dont un, Scott Sims, est ici parmi nous ce soir, et j'ai pu constater pour tout ce qu'il est possible de faire pour venir en aide à ses concitoyens quand ils vous confient la tâche de les représenter à Ottawa. J'ai hâte de me mettre à l'écoute des besoins de ma communauté, et j'ai déjà commencé. Au cours des derniers mois, j'ai personnellement cogné à plus de 2000 portes, d'un bout à l'autre de notre immense comté, pour consulter les gens et échanger avec eux. Et ces rencontres m'ont beaucoup appris. Notre comté a une diversité d'intérêts et d'enjeux considérables, dont l'emploi, l'éducation, les opportunités pour nos jeunes, l'accès à l'Internet, l'industrie touristique, les transports en commun, la santé et la soin aux aînés, pour ne nommer que cela. La présence de nombreux chalets saisonniers sur notre territoire crée une fausse perception de prospérité. Mais derrière elle se cache une toute autre réalité, celle d'un manque criant d'opportunités pour trop de gens, trop grand nombre de résidents permanents. C'est la principale raison pour laquelle tellement de nos jeunes quittent la région, trop souvent pour de bon. Notre région est vaste, complexe et remplie de défis. Elle exige un dévouement sans borne et un travail acharné de la part de son député pour être représentée comme elle mérite de l'être. As your next MP, I bring my years of experience as a bridge builder and community unifier who will serve as your voice in Ottawa, rather than as the voice of the government in the region. Depuis 5 ans, j'ai travaillé pour quelques-uns des meilleurs députés au Parlement. Et ce que cette expérience m'a appris de plus précieux, c'est que pour réussir, une communauté, quelle qu'elle soit, doit partager une même vision de l'avenir. Je veux consacrer mes énergies à mettre tout en marche pour qu'ensemble nous puissions la réaliser et construire un avenir meilleur pour les gens de notre région. I, for one, certainly look forward to working with you to achieve this vision, because together, by casting your ballot for me here tonight, we will do better. J'espère que vous vous joindrez à moi comme votre candidat et que tous ensemble, nous pourrons commencer à bâtir une équipe dévouée qui saura rassembler et inspirer nos compatriotes, de sorte qu'en unissant nos efforts et en travaillant d'arrache-pied, non seulement remportions les prochaines élections, mais surtout que nous puissions commencer à faire une réelle différence dans la vie des gens, maintenant et à l'avenir. Ensemble, nous ferons mieux. Thank you. Mes amis, merci. Alors, j'inviterai le personnel électoral de partir vers vos postes et après, ça sera la tenue du vote. Ce qui est important...